J'ai plus ou moins vécu à Hollywood à partir de 1968, probablement plus longtemps qu'ailleurs. Je n'arrive pas à vivre autre part. C'est difficile d'expliquer pourquoi j'aime cette ville. Ça ne ressemble pas à grand-chose, n'est-ce pas? Et effectivement, c'est le cas. Mais c'est tellement fun. Lorsque je suis arrivé ici, en 1968, c'était la grande période des drogues. Les Doors jouaient d'un côté de la rue, Frank Zappa jouait en face, des gens vendaient de l'acide dans la rue. C'était vraiment une époque différente. Beaucoup plus amusante d'ailleurs. Mais aujourd'hui, il n'y a plus que des yuppies et des clochards. Je suis votre chauffeur de taxi à LA. Ils essaient de rénover ma ville, mais ils ne font pas du bon boulot. Ça reste toujours aussi ringard. Nous sommes maintenant sur le célèbre Sunset Boulevard, qui ne ressemble pas à ce qu'il devrait être. J'habite plus à l'ouest, sur ces collines d'Hollywood, dans une superbe maison. J'y habite depuis 15 ans. Je m'y sens chez moi et je ne veux plus partir. J'adore. Mais quand vous êtes en tournage, vous apprenez à vivre n'importe où, même dans une tente. Dark Star est sorti en 1975. Je pensais que le film lancerait ma carrière, qu'on viendrait me chercher en limousine en disant « Monsieur Carpenter, nous vous attendons pour tourner ». Mais ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Personne ne voulait de moi. Alors j'ai commencé à écrire des scénarios. Il fallait bien que je gagne ma vie. Et je me suis aperçu que je me débrouillais pas mal. J'ai vendu beaucoup de scénarios et d'idées. Je gagnais un peu d'argent, je n'avais pas à me plaindre. Carpenter, c'est quelqu'un dont on reconnaît le cinéma en deux, trois plans. Et la plupart du temps, c'est ce sens de l'espace, cette manière de mettre du vide dans le cadre. Cette manière de faire très peu d'amorce, c'est quand même exceptionnel, quoi. C'est-à-dire que pour moi, il y a cette épure, il y a cette espèce de il n'y a même pas des signatures. C'est ça qui est extraordinaire chez Carpenter, c'est qu'il n'y a aucun, il y a jamais un moment où on a l'impression que c'est du maniérisme, quoi. On a l'impression que ça sort vraiment de lui et que ce qui sépare l'idée qu'il a en tête de ce qu'il y a à l'image est quasiment nul. On ne sent pas un effort. On a l'impression que la langue du cinéma, il la parle avec un naturel, une facilité, une aisance, ça sublime. Si on devait me demander pourquoi tu penses que Carpenter c'est un grand cinéaste, je répondrais à Saw. Je ne comprends pas ce que c'est ce film. Je ne comprends pas. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas à comprendre d'où sort ce film. J'arrive même pas à imaginer que c'est pu sortir en salle. Tellement je trouve que c'est une œuvre vraiment radicale. Mais radicale au sens où peuvent l'être certains films de Bergman ou de Tarkovsky. C'est un film radical. Pour moi, John Carpenter est le cinéaste le plus proche d'Orson Welles, artistiquement, parce que tous ses héros sont des anti-héros. On ne voit jamais beaucoup de sang à l'écran. Bishop est un anti-héros. C'est un homme qui a peur. Et ce personnage, à moins d'être idiot, doit forcément avoir peur s'il sait qu'il risque sa vie.
C'est ça qui intéresse Carpenter. Montrer la vulnérabilité du personnage. Pas seulement son côté super-héros. Il y a donc dans ses films une noirceur que j'aime. Et cette noirceur vient du traitement des personnages. Laissez les acteurs raconter l'histoire, pas les effets spéciaux. Asso, on pourrait dire, ce qui est assez juste d'ailleurs, c'est un film qui est bizarre dans les années 70, parce qu'à une époque où on a des films qui justement sont extraordinairement critiques contre toute forme d'idéologie prête à porter, qui sont du côté de l'expérimentation, qui sont du côté du brouillage total des frontières entre les bons et les mauvais, tout le monde est dans l'entre-deux permanent, etc., etc., etc. C'est un film qui tente à un moment donné de remettre en selle, finalement, de redorer le blason d'une forme de mythologie. Et donc, le policier noir et le détenu blanc sont des personnages qui vont retrouver une forme d'héroïsme, ce qui, à l'époque, n'est pas du tout à la mode. La figure du héros dans le cinéma américain des années 70, le film est fait en 76, quand même, même si on commence à être sur la queue de comète, hein, de l'âge d'or du cinéma américain, mais quand même, c'est un film qui paraît totalement anachronique, d'une certaine façon. Il y a des années, je lui ai proposé de faire une suite à Asso. J'avais deux scénarios écrits. Un par moi et l'autre par mon ami Courtney Joyner, qui s'appelait Asso à Bel Air. John aimait les deux versions, mais il ne voulait pas faire de suite. Je respecte son choix. Asso est une œuvre unique et doit le rester. Donc, Asso m'a plus ou moins ouvert quelques portes aux États-Unis. Mais c'est au Festival de Londres que le film a marqué les esprits. J'ai reçu de bonnes critiques qui ont fait écho jusqu'à Los Angeles. Puis j'ai rencontré un producteur à Londres, Mustapha Akkad, qui finançait des films à petit budget. Et donc, j'ai fait Halloween. L'impact du film a été tel qu'aujourd'hui, des bus de touristes visitent la rue où je l'ai tourné. Mon Dieu, ils ont fait ça, comme c'est bizarre. Mais vaut mieux ça que travailler, comme disait Robert Mitchum. Un soir, Erwin Yablans, le distributeur de Asso, nous appela et eut l'idée de situer l'action du film pendant la fête d'Halloween. D'un coup, ça nous a donné plein d'idées et de possibilités, car Halloween est une fête très excitante pour les jeunes Américains. C'est un événement totalement fou ici. Beaucoup de mythes y sont liés. Donc, nous sommes retournés en enfance pour explorer et inventer ces moments de peur. C'est comme ça qu'Halloween est né, en créant 10 moments de peur que nous avons ensuite intégrés au film. John voulait faire un film sur le thème classique du bien contre le mal. Le personnage de Michael Myers était le mal à l'état pur. C'était un tueur dénué de toute moralité. Le masque était un moule du visage de William Shatner. Tommy Wallace, notre décorateur, l'avait trouvé sur Hollywood Boulevard. Nous avons découpé de grands trous pour les yeux. Nous voulions un visage blanc, terrifiant et dénué d'émotion. Puis nous avons trafiqué ses cheveux. Jamie Lee Curtis a été une véritable trouvaille. Elle était très vulnérable. Elle venait d'avoir 18 ans. Elle avait une sensibilité qui me plaisait beaucoup. Je pense que c'est cette sensibilité qui a rendu crédible son personnage. Lorsque John et moi étions ensemble, c'était la fin des années 70 et le début des mouvements féministes. Je n'étais pas militante, mais j'étais très concernée. Je n'arrêtais pas de lui dire,
Pourquoi ne parles-tu pas des problèmes sociaux? Nous devons parler de l'avortement, etc., etc. Il était très clair. Il ne voulait pas faire réfléchir, mais faire sentir. Il voulait créer des émotions. Je n'ai vu Halloween qu'une seule fois avec lui. Sa jambe était couverte de bleu tellement je lui ai tapé dessus. J'étais terrifiée. C'est un film brillant que je ne suis pas prête de revoir. J'ai eu si peur. Michael Myers incarne le mal et ne négocie pas avec ce mal-là. Enfin, ça, Carpenter lutte contre un mal à l'état pur. On est en 78. À cette époque-là, aux États-Unis, plus personne n'y croit. Il n'y a pas de mal à l'état pur. Il y a du mal quelque part, ça circule. Les gens sont à la fois du côté du mal et du côté du bien, etc. etc. Carpenter, lui, non. C'est-à-dire qu'il a un côté, de ce point de vue-là, oui, anachronique, c'est-à-dire dépositaire de valeurs qui semblent complètement ringardes et dépassées dans les années 15 et 70, l'idée que non, il y a un mal à l'état pur. Et Donald Pleasance, c'est l'incarnation de Carpenter à ce moment-là, qui va tenter finalement de convaincre une communauté. Là, c'est la communauté d'Adonfield, petite bourgade hein, du film, mais pour Carpenter, ça peut être la communauté des spectateurs en général. Hein, c'est de convaincre cette communauté un peu léthargique, hein, qui prend tout au second degré, qui n'y croit pas, etc., à prendre très au sérieux la menace et l'idée qu'il y a un mal qui est là. Halloween a été un film essentiel pour moi. Ça a lancé ma carrière et mes opportunités à Hollywood, car il faut rapporter de l'argent pour les producteurs et les studios. Si tu ne rapportes pas d'argent, ils n'ont pas besoin de toi, à moins d'avoir la classe, ce qui n'est définitivement pas mon cas. Derrière le KFC se trouve la rue principale du film. Je suis passé en voiture quelques fois, mais je ne m'y suis pas vraiment arrêté depuis 1978. En principe, le stationnement est interdit. Mais nous allons quand même nous arrêter pour voir. On y va? Et alors que je vous parle, voilà un autre bus de touristes. Nous sommes donc dans la rue de Halloween. Venez par ici. Voici la maison principale du film. Nous avons filmé en haut et en bas, avec les caméras par là. Ça a changé. Ils ont rafraîchi l'endroit pour tourner des pubs. Et si on marche un peu dans cette direction, quand on est à peu près en face de la porte d'entrée, si on regarde de l'autre côté, par ici, voilà la deuxième maison, avec les trois colonnes et le drapeau américain. L'essentiel du film se passe entre ces deux endroits, là et là. C'est le travail de lumière de Dean Cundey qui a rendu cet endroit magique. Finalement, ça n'a pas tellement changé depuis toutes ces années. Donald Pleasance était un acteur que j'adorais et avec qui je voulais vraiment travailler. J'admirais son travail depuis longtemps, mais j'avais un peu peur de lui. Finalement, nous avons sympathisé très vite sur Halloween et nous avons fait d'autres films ensemble. C'est devenu un ami très cher. C'était un homme merveilleux. Il n'a jamais obtenu la reconnaissance qu'il méritait. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais ressenti. Il n'était pas considéré comme un grand acteur alors qu'il était fabuleux. C'était un ami intime et il me manque énormément. Bon, allez, on y va.
Et voici l'incroyable théâtre de Los Angeles en plein centre-ville. On n'en fait plus des comme ça. J'ai utilisé le hall d'entrée pour une séquence de Los Angeles 2013. Je suis venu ici pour la première fois en août ou septembre 1968. C'est dans ce théâtre que j'ai vu mon premier film à LA. Mon éducation cinématographique a débuté dans ce genre d'endroit. Quand on veut faire des films, il faut avoir de la passion pour le cinéma. Et j'ai trouvé la mienne dans des lieux comme celui-ci. Je suis tombé amoureux du cinéma au début des années 50. Mes parents m'emmenaient au cinéma. Ma mère surtout adorait les films. J'ai connu la période où l'on projetait encore dans ce genre d'endroit, jusqu'à l'apparition des premiers multiplexes, comme ceux d'aujourd'hui. Tout a beaucoup changé. Les premiers films que j'ai aimés dans les années 50 étaient les westerns, les films de science-fiction et d'horreur. Ce sont les films qui m'ont influencé, mais j'allais voir tout ce qui sortait. C'était une véritable histoire d'amour, dès le début. Lorsqu'en 1968, j'ai commencé mon école de cinéma, USC, nous avons vu tout. Des films que je n'avais jamais vus, des films que j'avais déjà vus, les premiers films des grands réalisateurs. Nous regardions les films de Hawks, de Ford, de Hitchcock, tous les réalisateurs de western et de science-fiction. Les Européens, ça a été une véritable éducation. C'est sans doute la plus grande école de cinéma. J'ai enseigné ici pendant 51 ans. Nous encourageons les étudiants à expérimenter. Nous les jetons directement dans le bain sans rien leur expliquer. On ne leur disait pas... Voilà comment on fait un film. Ils devaient le découvrir eux-mêmes puisqu'ils voulaient apprendre. Certains d'entre eux avaient déjà quelques notions de réalisation. Curieusement, ceux qui avaient déjà acquis un certain niveau avant l'école sont restés au même stade sans progresser. Ce n'était pas le cas de John. Il a beaucoup progressé et mûri durant ses années d'études. Il en voulait toujours plus. Et c'est la meilleure façon de procéder, celle d'apprendre de ses erreurs. Il avait compris très vite toutes les théories du montage. C'est comme ça qu'il a pris de l'avance, contrairement aux autres élèves. USC privilégiait le cinéma d'Hollywood plutôt que l'expérimentation. USC a toujours eu des liens étroits avec le business hollywoodien. Et la plupart d'entre nous désiraient faire ce genre de carrière. J'ai toujours rêvé de faire des westerns quand j'ai débuté dans le métier. Mais quand j'ai commencé à faire des films, le western était mort. On aimait débattre de Hawks et de Ford à l'université. John Ford était un immigrant, un réalisateur irlandais. Ses films étaient très sentimentaux. Les rapports hommes-femmes dans ses films étaient tellement idéalisés. Et Ford était obsédé par le militaire, tout ce qui était militaire.
Donc ces films ont très mal vieilli. Et méchamment vieilli pendant la guerre du Vietnam. Il a fait des grands films, mais il y en a que je ne peux plus tolérer. Il était très surestimé en tant que cinéaste-poète. Howard Hawks, lui, était un réalisateur américain du Midwest. Il y avait dans ses films une sensibilité beaucoup plus cynique et noire, ce qui m'a immédiatement attiré. La cruauté de ses films est extrêmement drôle. Et c'est cet humour noir qui est si étonnant. Ces westerns ne sont pas du tout sentimentaux. Donc je trouve ces films plus modernes. Beaucoup plus modernes que ceux de John Ford. Ford était d'une autre époque, une époque presque victorienne. Hawks fait vraiment partie de ce pays, de notre cinéma et du XXe siècle. Peckinpah était un personnage étrange. La horde sauvage parlait du Vietnam et de la fin d'une époque. Ce film a révolutionné notre cinéma en l'amenant vers de nouvelles voies. Peckinpah n'a jamais refait un western aussi fort que celui-là. C'était un film controversé, et il l'est toujours dans certains endroits, tellement il est violent. Mais Les Chiens de paille, avec Dustin Hoffman, est encore plus controversé. C'est un film incroyable, très sous-estimé. J'adore ce film. J'ai donné un cours à l'université de Santa Barbara il y a quelques années sur le sexe et la violence au cinéma devant une grande classe d'étudiants. Les deux seuls films qui les ont profondément dérangés étaient L'Empire des Sens, un film japonais sexuellement explicite, et Les Chiens de paille. Après la projection, les réactions de ces gosses étaient incroyables. Il y avait des groupes d'étudiants qui voulaient en parler immédiatement. Ils avaient été tellement perturbés par la scène de viol qu'ils ne savaient pas quoi en penser. Mes étudiantes en particulier étaient traumatisées par cette scène. Il fallait qu'elles en parlent pour se sentir mieux. Les réactions du public lors de la scène finale du film, je n'avais jamais vu ça de ma vie. Des cris, des hurlements, des « Oh mon Dieu !» Ça vous montre le pouvoir de Peckinpah. Je devrais m'arrêter de parler une minute et conduire, histoire de sauver nos vies. Ça a l'air de se passer pas trop mal. Je suis tombé amoureux de Paris. As-tu attaché ta ceinture, jeune homme? Là, tu dois la mettre, car si j'ai un accident, je vais avoir des problèmes. Je suis tombé amoureux de Paris plus tard dans ma carrière. Depuis Vampire en 1997, j'ai vraiment appris à l'aimer. C'est une ville extraordinaire. Je m'y suis tellement amusé. Je suis aussi allé à Avoriaz pour présenter Fog. C'était génial. J'ai rencontré Roman Polanski, un de mes héros. Mais cela dit, c'était bizarre. Je n'étais pas conscient de la politique derrière les coulisses. La vache. Tout le monde se prenait un peu trop au sérieux. L'un des jurés à l'époque était Claude Lelouch. Je ne sais pas s'il était le président du jury, mais enfin, il était là. Donc je m'approche de lui pour le saluer. J'aimais certains de ses films, particulièrement La Bonne Année et quelques autres.
Au moment où je lui dis « Bonjour, je suis John Carpenter et je voulais vous dire à quel point je suis touché de vous rencontrer », il était outré que j'ose venir lui parler, comme si j'essayais d'influencer son vote. J'en avais strictement rien à foutre de son vote. C'était juste pour moi l'occasion de rencontrer un cinéaste légendaire, et je me suis dit, c'est quoi son problème? Je m'en fichais qu'il vote ou pas pour Fogg. Moi, je n'aurais pas voté pour Fogg. Je voulais lui faire un compliment, c'était bizarre. Et plus tard, je suis devenu président du jury lorsque le festival d'Avoriaz a changé pour devenir un autre festival de films d'horreur et de SF. Et là, j'ai pu voir comment ça se passait vraiment. Mon Dieu! Tout le monde se prenait beaucoup trop au sérieux. Ça se disputait sur les films. Un des réalisateurs hurlait, « C'est de la pornographie !»« Mon Dieu, calmez-vous! Fumez un joint !» En France, on a souvent tendance à considérer, finalement, qu'un bon cinéaste américain est un cinéaste anti-américain. C'est notre espèce de fantasme du cinéaste critique de gauche. Hein. Donc on a toujours fait, par exemple, comment la critique, lorsqu'elle redécouvre et qu'elle adoube Carpenter à la fin des années 90, la critique majoritaire, parce que certains ont déjà fait le travail avant, pour que Carpenter passe comme étant un grand cinéaste, on va moins chercher ses qualités de cinéaste, comment il cadre, comment il met en espace, quelle importance il accorde au regard, qu'on va essayer de trouver une sorte d'alibi politique. Hein, c'est un cinéaste contestataire, critique, cinéaste de gauche, donc c'est un bon cinéaste. La critique en France aime bien les cinéastes américains quand elle les imagine ou quand elle les fantasme finalement anti-américains. Ce qui est une erreur gigantesque, parce que Carpenter est vraiment, mais comme tous les autres, hein, on pourrait citer Romero, on pourrait citer Craven, on pourrait en citer beaucoup d'autres. Carpenter est un cinéaste qui est profondément américain. Le truc du cinéaste politique, je trouve que c'est un peu une super tarte à la crème, en général. Ça a été dit récemment, je crois, de Romero. C'est une tarte à la crème de dire ça. C'est pas vrai. On peut pas dire d'un cinéaste qu'il est politique. Parce que, finalement, c'est quoi le politique? C'est la vie de la cité, hein, au sens philosophique du terme, hein, quand on prend les racines philosophiques. C'est ça, le politique. La politique, c'est la vie de la cité. Si on est cinéaste ou si on est artiste et qu'on ne s'intéresse pas à la vie de la cité, on n'est pas artiste, on n'est rien. On n'est pas cinéaste, on n'est rien du tout. On fait autre chose. On fait du journalisme, à la limite, ou bien on exerce son rapport au monde d'une autre manière. Évidemment qu'il est politique, mais comme tous les cinéastes, tous les vrais cinéastes sont politiques. Pour moi, dire qu'un cinéaste est politique, c'est un pléonasme. Ça ne veut rien dire. Le film, à mon avis, clé de sa reconnaissance, en tout cas en Europe, c'est L'Ordre de la Folie. À mon avis, il y a deux, trois raisons à ça, et je pense que la principale, elle est du côté de la critique. C'est que la critique adore les films qui réfléchissent sur eux-mêmes, hein, et singulièrement en Europe. En Europe, on adore la critique lorsque le cinéma qui se prend pour objet, voilà, qui prend l'image pour objet, le statut de l'image pour objet. J'ai effectivement pris conscience d'un changement des critiques lorsque j'ai fait un film qui s'appelle « L'antre de la folie ». Je ne saurais l'expliquer, mais tout à coup, en lisant les critiques et en donnant des interviews, j'ai réalisé qu'on me prenait très au sérieux. Bon sang, je trouve ça très flatteur, mais le cinéma n'est pas un art de l'intellect, c'est un art de l'émotion. Les critiques n'ont donc pas grand-chose à voir avec le cinéma. C'est amusant à lire. Écoutez, j'ai tellement eu de mauvaises critiques dans ma carrière que j'accepte toutes les bonnes critiques, même intellectuelles. J'accepte même les critiques intellectuelles mal écrites. Je m'en fiche. Je ne suis pas fier. Je suis sûr que vous avez des bouchons comme ça en France, n'est-ce pas? Il y a des bouchons partout ici. Vous apprenez à les adorer. Nous avons une vision étrange de la France ici. Vous êtes au courant des problèmes qu'ont posé la guerre en Irak. L'Amérique a beaucoup d'hostilité à l'égard de la France. Ce qui me paraît absurde et incompréhensible. Ce que les critiques de la France, surtout de droite, disent ici, c'est « Les Français, c'est quoi ?
ils aiment Jerry Lewis et Woody Allen. Vous voyez, l'Amérique n'est pas un pays intellectuel. Ça ne l'a jamais été et ne le sera jamais. On n'est qu'une bande de voyous ici. Nous sommes des gens qui ont fui l'Europe. On voulait notre indépendance religieuse et gagner de l'argent. On n'est qu'une bande de bandits. On est arrivé ici et on a tout pris. On ne fait pas confiance aux gens intelligents. Les intellos là-bas, de l'autre côté de l'Atlantique, on ne les aime pas. Si vous réfléchissiez trop, c'est pas bon pour vous. Ah, qu'est-ce qu'on est con, j'arrive pas à y croire. From New York, the high adventure of the future. One man must go in where no man has ever gotten out. And if he comes back alone, his nightmare has just begun. Who are you? John Carpenter's escape from New York. Heard you were dead. This stuff is like gold around here, you know. Kurt Russell est un grand acteur et John un grand réalisateur. Ils adorent travailler ensemble. Il n'y a pas d'emmerde, pas de politique, pas d'Hollywood. Il est juste question de faire un bon film. Ça a tout de suite fonctionné entre deux, car Kurt peut jouer Elvis comme il peut jouer Snake Plissken. Il pourrait jouer un vieux garagiste comme personne. Et John aimait cette facilité et ce confort de travail. Kurt comprenait le personnage comme il avait compris celui d'Elvis. Du coup, c'est avec Kurt que John a eu le moins de travail. Charles Bronson avait lu le scénario et voulait le rôle. Mais à l'époque, je m'étais déjà engagé avec Kurt Russell. Et puis, j'avais déjà travaillé avec Kurt sur Elvis. On s'était bien amusé. Je trouvais qu'il avait un talent unique et inhabituel. C'était un jeune acteur des studios Disney. Et il m'a joué Elvis avec beaucoup de charisme et d'habileté. Il voulait jouer un héros d'action. Il voulait être sale et méchant. Je dois admettre que ce film était très noir et nihiliste pour l'époque. C'était un personnage dangereux, unique parmi les personnages de héros américains. Du genre, je me fous de toi, tu peux vivre ou mourir, gagner ou perdre. Moi, je veux juste tracer ma route. Donc, ne te mets pas sur mon chemin. Le film a eu beaucoup de succès. Je suis très fier du résultat. Il m'a permis de devenir un réalisateur reconnu à Hollywood. Lorsque je pense à ce film, j'y vois avant tout l'esprit de John. Durant tout le tournage, John mettait toute l'équipe à l'aise. Il ne hurlait jamais, il n'était pas tyrannique. Il n'insultait personne. Il avait beaucoup d'humour. Il était relax. Lors de la projection test, les spectateurs ne savaient pas si mon personnage avait survécu ou pas. John m'a donc dit,
j'ai besoin d'un dernier plan de toi morte. À ce moment-là, nous avions fini le tournage depuis longtemps. Nous avons donc récupéré mon costume. Nous sommes allés dans notre garage, nous étions alors mariés depuis peu. Nous avons sorti les voitures, il m'a allongé sur le sol, mis du sang dans mes cheveux et il a eu son plan serré. Nous avons tourné ça à Studio City, chez nous. John a toujours été très à l'écoute durant les tournages. Il crée sa propre famille, il communique énormément. Personne ne peut faire un film tout seul, tout le monde doit s'investir. John passe toute sa journée à répondre aux questions. Est-ce que tu aimes la couleur de cette robe? Il va répondre oui ou non, et s'il ne sait pas, il dira « Mais qu'est-ce que tu en penses, toi ?» La bleue va bien avec ses yeux. Ok, on prend la bleue. Il vous implique dans un processus de création. Donc même si c'est un film de John Carpenter, c'est surtout un film de la famille de Carpenter. Et il crée les conditions pour ça. C'est l'un des derniers à Hollywood à travailler comme ça. Quand j'ai commencé à travailler, des mecs comme Hawks, Wells et Houston faisaient leurs propres films. Aujourd'hui, très peu font leurs propres films. Peut-être Walter Hill, John Carpenter, sûrement Steven Spielberg. Ils ne sont plus nombreux à créer leur propre famille. Si vous prenez n'importe quel film d'horreur, il parle toujours d'une forme d'anarchie morale. La plupart du temps, ça parle d'un mal qui surgit de la normalité. Et on peut développer des thèmes autour de la sauvagerie de l'horreur, même sans en être conscient. Le thème de l'horreur au cinéma a un potentiel infini. Avec l'horreur et la SF, vous pouvez vraiment faire quelque chose au cinéma. Vous pouvez faire croire à des choses ridicules, comme les loups-garous et les vampires. C'est vraiment un genre où la magie du cinéma opère. J'aime les films qui montrent un mal extérieur à nous. C'est plus évident pour moi et plus intéressant pour les spectateurs que de dire que le mal est en nous. In here. Smoke it. Action.
La priorité de John, c'est de faire des films, pas d'envoyer des messages. Il adore ça. Il a grandi en regardant des films. C'est un homme de cinéma. Je peux me tromper, mais je connais John depuis très longtemps. Et je suis sûr qu'il veut faire des films avant tout pour lui, pas forcément pour le public. L'ambiance sur Christine était comme une cour de récréation. John blaguait tout le temps. Et j'adorais ça. Si le réalisateur cache le micro du Perchman pour le rendre fou, alors vous savez que vous allez vous éclater au travail. John voulait clairement pousser le bouchon très loin. Il voulait un film un peu satirique, un peu drôle, mais qui fasse toujours peur. Je me souviens qu'il disait « C'est un film sur une voiture tueuse. Si on se prend trop au sérieux, les spectateurs n'y croiront pas du tout. » Aujourd'hui, j'ai un peu plus d'affection pour ce film. Certains passages sont meilleurs que dans mon souvenir. Je pense toujours que le film ne fait pas peur. Et c'est de ma faute. J'aurais pu faire mieux. Mais les acteurs et le film me paraissent pas trop mal aujourd'hui. Je n'en suis pas mécontent. Mais à l'époque, j'en avais marre de faire ce genre de film. Je venais de faire La Chose, qui n'avait pas du tout marché. J'avais un peu peur pour ma carrière. J'ai donc fait Christine sans motivation. J'aurais adoré faire autre chose. Mais quand je le revois, je le trouve pas mal. John aimait les personnages du film. Il adorait le personnage de la mère et la famille. Il prenait plaisir à faire de la direction d'acteurs spécifique. Sans doute parce qu'il n'en avait jamais vraiment beaucoup fait. Habituellement, chez lui, le récit détermine le caractère des personnages. Dans Christine, c'est la psychologie des personnages qui détermine le récit. La plupart des scènes n'avaient pas d'autre fonction. J'ai senti qu'il aimait ça. C'est avec ces scènes qu'il a le plus improvisé avec nous. Comme pour la scène du dîner familial. Énerve-toi encore plus. Maintenant, ne leur montre pas que t'es énervé. Il s'amusait beaucoup. Tout cela était nouveau pour lui. Très clairement, Christine est une anomalie dans la carrière de John. La plupart de ses films révèlent un humour noir très personnel, une conscience politique, un cynisme qu'il n'y a pas dans Christine. Christine est plus un film d'horreur à l'ancienne. C'est plus dans l'esprit de Stephen King que dans celui de Carpenter. John y a apporté son humour. Le livre se prend beaucoup plus au sérieux que le film. Du genre, attention, ceci est une histoire sérieuse. Mais les grands films de John, ceux qui expriment son point de vue, sont beaucoup plus que des films d'horreur. Ce qui est très fort avec John Carpenter, c'est que quand il y a une image qu'on reçoit comme spectateur, qui est absolument indéchiffrable, c'est que quelque chose ne va pas.
Et un hélicoptère avec 4 mecs qui veulent tirer sur un chien, c'est par essence une image qui est absolument indéchiffrable. C'est-à-dire que quand le film commence et qu'on est face à ça, on sait qu'on rentre dans un monde où il n'y aura plus aucune règle. I know I'm human. Some of you are still human. This thing doesn't want to show itself. It wants to hide inside an imitation. It'll fight if it has to, but it's vulnerable out in the open. If it takes us over, then it has no more enemies. Nobody left to kill it. And then it's won. You guys gonna listen to Gary? He can be one of those things! Là où il est très fort, sachant que le spectateur sait qu'il peut nous en mettre plein la vue, il peut nous faire peur avec rien. Donc du coup, deux fils électriques dans un petit bol où il y a du sang, c'est encore plus effrayant, ça fait encore plus peur que tout le déploiement de chair, de monstres qu'on a vu jusqu'à cette scène-là. C'est ça un grand cinéaste. C'est quelqu'un à un moment qui sait qu'il faut retourner à l'économie de ce qu'est le cinéma, même quand on n'a pas de limite économique pour faire ce qu'on veut. C'est-à-dire que c'est un des films, je pense, où il a eu le plus d'argent pour faire ce qu'il voulait, mais il décide, dans des moments très précis, de tourner et de réaliser les scènes comme s'il n'avait pas un sou, parce qu'il croit au cinéma. Il croit au moment où le cinéma peut nous effrayer, nous inquiéter sur des choses qui sont très simples. Sur le tournage, j'avais envie de tuer Rob Bottin. Il était jeune, c'était un génie créatif, mais il était incapable de s'organiser. Et il avait engagé des gens qui l'aidaient encore moins à s'organiser. L'organisation de son travail était du grand n'importe quoi. Mais les résultats étaient fantastiques. Ces mecs bossaient 24 heures sur 24. La tête arrachée, mon Dieu. La première prise était vraiment atroce. Il a fallu attendre 6 heures pour la refaire, et nous étions dos au mur. Vraiment, je voulais prendre Rob par le col et lui dire « Réveille-toi, mon gars ». Childs et Macready, dans un des innombrables corridors de la base arctique, se retrouvent tous les deux seuls. Il y a un doute. Hein, sur qui est la chose? Est-ce que c'est Childs ou est-ce que c'est Macready? Et là, il y a eu beaucoup de spéculations d'ailleurs sur l'identité. Est-ce que c'est l'un ou l'autre, ou ni l'un ni l'autre? Évidemment, c'est l'un des deux. Et Carpenter disait, il suffit de regarder la laine. Hein, l'un des deux personnages, finalement, il fait très très froid évidemment, hein, lorsqu'il parle, donc lorsqu'il respire, son haleine ne se condense pas. Et lui, c'est la chose. Il suffit de regarder, on voit qui est la chose. On était en vacances quand la chose est sortie en même temps Kitty. Lorsqu'on est rentré, il y avait E.T. en couverture du magazine Time. Je me souviens que John me disait « Voilà ce que veut le pays aujourd'hui. Ils veulent de la tendresse et de la lumière. La chose va être rejetée. » Je pense que si le film était sorti à la même époque que Alien, ça aurait été un tabac. Ne serait-ce que pour les effets spéciaux, là où John s'était tant investi. C'était incroyable. Mais effectivement, quand la chose est sortie, le pays voulait E.T. Je me souviens des critiques de The Thing à l'époque, notamment américaines, qui assassinent littéralement le film. Mais vraiment. En plus, il y a la question du sida qui va bientôt arriver. Donc on trouve que le film est extrêmement douteux sur cette question de la contamination, qui est pourtant une figure mère du cinéma de Carpenter, la question de la contamination, justement, hein, qui est même le mode opératoire central
du mal. Hein, c'est moins de bouffer l'autre que de le convertir. Et donc cette expérience, elle est dramatique. Et pendant des années, Carpenter va mettre des années à s'en remettre. Les critiques qu'a reçues ce film étaient parmi les plus absurdes qui soient. Les gens sont passés complètement à côté du film. Tout le monde l'avait jugé avant même de l'avoir vu. Comme pour La Porte du Paradis. On disait que c'était mauvais sans l'avoir vu. Ça a été pareil pour La Chose. Quelqu'un a décidé que c'était nul et tout le monde a suivi. Chaque journaliste cherchait la preuve sur l'écran qui conforterait leurs préjugés. On préparait un film qui devait s'appeler Firestarter. Le studio l'a annulé. C'est ça qui a fait le plus de mal à John, qu'il puisse tuer son prochain film, qui devait être un grand film que nous devions faire ensemble. C'est finalement Dino De Laurentiis qui l'a fait. C'est la première fois qu'il a dû subir la politique des studios. C'est le premier épisode d'une guerre contre les studios qu'il allait perdre. Voici les studios Universal où j'ai fait La Chose. Ils sont situés sur la pente descendante, tout comme moi. Et voici l'entrée du légendaire studio Cherokee. How's it going? What's going on here, guys? Howdy. Can we walk through? What you guys doing? Just going around, setting up for a session. How's it going? Nous y voilà. La scène du crime où tout se passe, l'enregistrement et le mixage. Il fait bon ici. Je pense que je vais m'asseoir ici. J'ai grandi à Bowling Green, dans le Kentucky. Mon père était professeur de musique. Il m'a appris le violon, le piano et un peu de guitare. J'ai joué dans un groupe de rock à l'école et au collège. J'adore la musique. J'en ai beaucoup écrit. J'ai même pensé y faire carrière. Mais mon premier amour était le cinéma. Donc ce thème, c'est le thème de John. Ça vient de son imagination. Il a du génie, mais... il n'a pas eu à travailler longtemps dessus. Il est arrivé au studio, a joué quelques notes, retravaillé quelques passages et c'est tout. Donc, la plupart de nos musiques étaient improvisées. Mon inspiration
ne vient pas tant de la musique électronique que de la musique classique. Bernard Herrmann a eu une grande influence sur moi, car il composait des musiques superbes à partir de partitions très simples, parfois juste quelques cordes, comme dans Psychose, mais parfois aussi un grand orchestre. Ces musiques étaient tellement puissantes. Donc moi, j'imitais des sons orchestraux sur mon synthétiseur en pensant toujours à Bernard Herrmann. La musique de John est plus clairsemée, plus minimaliste. La première fois que je l'ai entendu composer avec une seule note, j'ai fait « Hein ?» Mais quand il a rajouté des couches musicales, j'ai compris où il allait. Le morceau est devenu atmosphérique, avec des textures musicales, et ça collait très bien pour ses films. Il s'agissait de musique spécifique aux idées qu'il voulait communiquer. La musique ne devait servir qu'à renforcer la scène. Elle ne devait pas être mise en avant. Si c'était le cas, c'était raté. Quand je réalise un film, je ne pense jamais à la musique. J'ai de la musique en tête tous les jours. La mienne ou celle des autres. Mais le tournage d'un film est un processus tellement fragmenté que je n'ai vraiment pas le temps de penser à une musique. Mais dès que le film est fini et monté, comme je le souhaite, alors je me concentre uniquement sur ma musique. Le fait de composer, en plus d'écrire et de réaliser, me donne une voix. Ça me permet de rajouter un élément créatif à mes films, de me les approprier encore plus. Nous avons travaillé ensemble de 1981 jusqu'à Invasion Los Angeles en 1989. Ça a été l'une des plus grandes périodes de ma vie. John me disait que composer était sans doute pour lui le moment qu'il préférait dans la création d'un film. Car l'écriture, le tournage, la production et le montage, c'est un travail énorme. Mais maintenant, vous êtes à la fin. Le bébé est presque né. John pouvait alors débrancher le téléphone, venir au studio et être enfin le compositeur de ses propres films. Pour lui, c'était comme des vacances, loin du stress du tournage. Il pouvait se détendre. C'était un grand moment pour nous de pouvoir composer des musiques. Et elles tiennent encore la route aujourd'hui. Oui, nous n'étions pas John Williams, ni Jerry Goldsmith, ni James Horner. Nous n'avions pas de gros orchestres. On était juste deux mecs qui faisaient de l'art dans un studio. J'ai des sentiments contradictoires sur les musiques de films. Parce que j'adore les grandes musiques imposantes qui sont mises très en avant, comme par exemple la musique de Star Wars. Elle fait partie intégrante du film et de notre culture, comme l'ouverture de La mort aux trousses ou de Psychose. Ces musiques sont devenues de grands classiques. Mais d'un autre côté, j'aime les musiques qui s'effacent, que j'appelle musique tapis. Elles sont comme un tapis sous une scène. Elles renforcent l'histoire. Je me situe plus dans cette catégorie. La musique invisible, je trouve que c'est plus dur à faire. L'une de mes musiques, Halloween, est devenue célèbre. Elle avait un petit riff étrange et sympathique. Mais la plupart du temps, je suis un poseur de tapis. Un tapis sur lequel vous marchez, mais que vous ne voyez pas. Je m'entends bien avec Kurt, qui est d'extrême droite,
Il est tellement à droite. Vous ne pouvez même pas imaginer. C'est Attila le 1. Mais nous sommes comme des frères au travail. Nous sommes le même genre de professionnels. Kurt, comme tout le monde, s'est fait descendre pour ce film. Personne n'a compris son personnage. Mais si vous revoyez le film, vous comprenez de quoi ça parle. C'était un gros pastiche, une grosse blague. Et les gens ont pris ce film trop au sérieux. Le jour de la projection du film au studio, nous avons vécu une expérience horrible. En plein milieu du film, l'un des plus grands patrons s'était levé pour aller aux toilettes. Et il avait raté une scène explicative très importante. Quelques jours après, nous avons reçu ces notes. Ça, ça marche pas. Ça non plus, etc. Toutes ces critiques venaient du fait qu'il avait raté cette scène cruciale. John était anéanti que quelqu'un puisse aller aux toilettes pendant son film et puisse avoir les couilles de faire des reproches sur la structure du film. Ça a mis John hors de lui. Pour lui, il était temps de dire, « Vous savez quoi? J'en ai marre. J'arrête toutes ces conneries. Je m'en fiche de gagner plein d'argent. J'en ai plus rien à foutre. » Si vous êtes capitaine de votre bateau et qu'il y a un accident, si vous voulez le réparer, vous dites, « Bill, mets un bouchon dans ce trou avant qu'on coule. » Je pense que sur Jack Burton, John ne savait pas qui était Bill. Il y avait 30 mecs du studio sur le plateau qu'il ne connaissait pas. C'est un business, donc il faut gagner de l'argent. Mais en même temps, vous devez pouvoir faire les films que vous voulez. Et quand ils vous enlèvent ça, et viennent vous voir en disant, « Non, vous ne pouvez pas avoir cette scène d'amour parce qu'on ne l'aime pas. » Ce sont des décisions arbitraires prises par des gens qui veulent vous dicter votre métier. Je parle de tout ça avec du recul aujourd'hui. Je suis plus vieux et plus mûr qu'à l'époque. Je pensais que La Chose et Jack Burton étaient des films uniques qui devaient marcher. C'est ce que je croyais, mais ça n'a pas été le cas. Alors oui, effectivement, j'étais énervé. Le public américain voulait autre chose. Je pense que je n'acceptais pas que le style de réalisation des gens de ma génération commence à changer. Ça sautait aux yeux partout, partout. J'allais au cinéma et je me disais, mon Dieu, voilà ce que c'est devenu. Cela dit, j'ai eu une bonne expérience avec les studios. C'était Starman. J'ai fait ça après Christine. C'était très commercial. Un film pour filles, tendre. C'était une histoire d'amour avec des éléments de SF. Je n'avais pas trop à me préoccuper des effets spéciaux, car ils n'étaient pas si importants. Ça s'est pas trop mal passé. Jeff Bridges a été nommé pour les Oscars. J'ai été le Golden Boy d'Hollywood pendant 15 minutes, enfin 14 minutes. J'étais fier d'avoir réussi un film de studio. Mais quand j'ai voulu apporter ma touche perso à Jack Burton, un film pour lequel je m'étais passionné, les gens ont dit « C'est quoi ce truc ?» C'est dur parce que quand vous êtes élevé dans la culture américaine, on vous apprend très jeune que le succès, c'est l'argent. Et tant que vous n'êtes pas Spielberg, vous n'avez pas vraiment réussi. Et même si vous vous doutez que c'est faux,
Il y a toujours en vous cet enfant qui aime ce qui brille. Et les scénaristes, les acteurs et les réalisateurs ressentent ce déchirement. Mais vous regardez les Oscars et les paillettes et vous vous dites, c'est ridicule. C'est pas un sport de compétition, je me fiche de gagner des millions. Je veux juste vivre correctement et faire les films que je veux. J'ai donc voulu aller faire un film dans mon coin, sans interférence et sans coûter de l'argent à personne. Sur un gros film, vous êtes redevable envers le studio qui vous a engagé, qui vous a fait la grâce de vous engager. Il faut que cela leur rapporte de l'argent. Et c'est plus facile de le faire avec un petit budget. Vous n'avez pas besoin d'un gros succès pour être rentable. Alors, j'ai fait Prince des Ténèbres. Prince des Ténèbres des années 80 pour Carpenter, ce que Assaut était aux années 70. Un premier film, mais avec un espèce de sérieux qu'il n'y avait quand même pas dans Assaut dans ses précédents films. Là, il va tourner Prince des Ténèbres et Zélive, qui sont les deux coups de gueule en fait, de Carpenter, des films extrêmement simples et purés. Là, il revient vraiment, on est loin de Jack Burton, même de The Thing, c'est des films beaucoup plus modestes dans la structure, dans les budgets, etc., etc. Mais où Carpenter revient, mais au cœur de ce qu'il sait faire, c'est la mise en scène. Welcome to the theater. For everyone's enjoyment, we'd like to remind you of the following rules. No talking. No smoking. No littering. No red meat. No freedom of religion. And remember, all marriages must be approved by the Department of Health. Failure to obey these rules will result in immediate loss of citizenship and deportation to the island of Los Angeles. Enjoy the show. Your rules are really beginning to annoy me. He ran a psycho profile on him using a database of 5 million sociopathic personalities. He hit the bottom of the curve. Catches on quick, doesn't she? This town loves a winner. Just say we play a little Bangkok rules. Nobody draws until this hits the ground. You ready? Il y a des rumeurs qui circulent à ce moment-là sur l'état de santé de Carpenter. Et je suis convaincu, et peut-être que je me trompe, que lorsque Carpenter le fait, il pense lui aussi que c'est son dernier film. Lorsque Snake Plissken revient de l'île de Los Angeles, atterré avec son hélicoptère et produit son hologramme, il y a une lassitude qu'on sent physiquement chez Courtroussel à la fin. Hein, la lassitude, c'est où c'est la dernière fois que je vous sauve, en gros, mais je ne reviendrai plus. Et Carpenter disant à ce moment-là, c'est la dernière fois que je fais un film, je suis fatigué. D'abord, je suis fatigué physiquement, je suis aussi fatigué de lutter contre les studios. Hein, donc voilà, après, je ferai plus de films. D'abord parce que je peux pas et peut-être aussi parce que j'en ai plus envie. Et le regard caméra de Snake Plissken, qui est un cas unique dans la filmographie Carpenter, pour moi, c'est ça. C'est le signe du dernier plan d'un cinéaste. Hein, Welcome to the Human Race, voix off. Hein, voilà, c'est l'écran noir, blackout. Hein, bienvenue à d'autres. Moi, c'est fini. Je pense que ma génération de cinéastes a tout fait foirer. Nous avons tout foiré. Et je ne me mets pas dans la catégorie de Scorsese et Coppola. Ils ont fait des films à 100 millions de dollars, ce que je n'ai jamais eu. Je ne suis qu'un vieux réalisateur de films d'horreur. Je me balade avec un masque, un couteau en plastique et du faux sang. Je ne suis donc pas dans la même catégorie. Quand je dis « nous », je parle de ma génération. Nous nous sommes tous vendus, et moi le premier. Mais j'avais besoin d'un boulot, et il n'y a pas de mal à ça. J'ai fait des films pour de l'argent, comme je vous l'ai dit pour Christine. Ma carrière allait mal. J'avais besoin de travailler, et j'ai accepté. Alors peut-être que je me suis vendu. Bien sûr que je me suis vendu, et je l'ai fait avec plaisir. Je suis un heureux réalisateur de films d'horreur capitaliste. Je pense que depuis Escape from LA, de toute façon, Carpenter s'est jamais vraiment remis. Je pense que dans sa carrière, en tout cas depuis Escape from LA, donc je ne crois pas à sa renaissance. Je ne crois pas que Vampire
les Ghosts of Mars soient des films qui montreraient un départ comme si Escape n'avait pas eu lieu. Hein, je pense que là, sa filmographie marque mais véritablement le pas à partir d'Escape. Mais je pense toujours à la phrase de Chabrol, qui a eu cette phrase géniale sur Fritz Lang. Il disait, Fritz Lang, il y a un moment où ses films ont commencé à faire la gueule. Et Carpenter, les deux derniers films, ils font la gueule un peu. On a toujours un sentiment de tristesse quand on pense à Carpenter. Mais on a un sentiment de tristesse parce que... je crois que pour beaucoup de gens de ma génération, on a le sentiment d'avoir vécu, vraiment en direct, quelque chose qui appartenait un peu à la légende du cinéma. C'est-à-dire quand on lisait dans les histoires du cinéma qu'Orson Welles avait été bafoué, que Hitchcock avait connu un déclin terrible, que Fritz Lang, on l'empêchait de tourner en rond et qu'on l'a même empêché de faire les films qu'il voulait, etc. Pour nous, ça appartenait à l'histoire du cinéma, quoi. C'était aussi un peu... Ça faisait un peu partie des mythes et légendes du cinéma, quoi. Le truc avec Carpenter, c'est qu'on a vu en direct comment le cinéma lui a tourné le dos, quoi. Comment, finalement, cet homme qui est un des plus grands cinéastes, vraiment, moi je le dis sans aucune hésitation, comment le cinéma lui a tourné le dos. À quel point le cinéma a été cruel et grossier avec lui, quoi. C'est que je pense que ses films vont rester beaucoup plus que pas mal de trucs qu'on voit aujourd'hui et qu'on élève au pinacle, un peu sans réfléchir, quoi. Je ne changerai absolument rien à ma carrière. Je suis ravi des films que j'ai faits. Il y en a que j'aime moins. Mais je peux les regarder en me disant, c'est pas si mal. S'ils les aiment pas, qu'ils aillent se faire foutre.